Sur ma chaîne Mes économies et défis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo remplissage pour le mois de mars. Voilà, je vous tourne la vidéo tout de suite après celle du bilan, hein. Dans la foulée. Bilan vendredi et celle-ci, vous la verrez ce week-end. Voilà, allez, c'est parti, on va y aller. Alors avant toute chose, je vais sortir les 20 euros de mon défi. Du coup, j'ai eu 20 euros de moins à retirer pour mon défi. Des 500 euros puisque j'ai fait exprès pour avoir moins à retirer ce mois, voilà. Et là après on commencera le mois de mars et on fera la même chose pour les autres mois, voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est parti, on va y aller, on va pas perdre de temps. Allez, course, c'est 150 euros par semaine comme d'habitude, hein. Alors première semaine, alors il me faut j'aimerais bien voir, alors attendez, 2, 4, 6, 8, 10, deuxième, 2, 4, 6, 8, 10, troisième, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15, parce qu'il y a billet de 10, j'en suis sûre que je vais galérer, parce que j'ai fait le tour avant, mais je n'ai trouvé nulle part dans mes, comment ça s'appelle, hop, dans mes autres enveloppes. Du coup, on va se débrouiller avec. Sinon, on mettra des billets de 20 et on fera la monnaie plus tard. Alors, du coup, les premières semaines, oui, Sarah. Je veux dire coucou. Oui, tu peux dire coucou. Bonjour les amis. La petite Sarah qui est venue. Allez, 150 euros pour la première semaine. Hop, ensuite, d'hiver, 10 euros par semaine. Alors, on va mettre les 10 euros comme ça. Les autres, je mets 30 euros, mais 20 et 10. Et après, si vraiment j'ai assez, je reprends. Mais bon, je ne sais pas si je vais avoir assez de billets. Alors, je préfère faire comme ça. Voilà. Et école, en sachant que cette semaine, il n'y a pas école, je vais mettre 30 euros directement comme ça. Je vais mettre dans mon là-dedans pour le moment. Si, parce que là c'est pour la semaine prochaine, il va me falloir les 10 euros parce que là j'ai en train de remplir, mais en fait il me faut tout, il me fallait 40 euros là. Pourquoi j'ai compté parce qu'il rattaque l'école lundi, ouais, je crois qu'il va manquer peut-être 10 euros. Je me suis loupée dans mon calcul là, je crois. C'est pas grave parce que je crois que demain il y a des jours qui mangent pas, alors avec un peu de chance. Sinon, j'irai chercher ailleurs, alimentation ou école, ici. Ça, c'est mes enveloppes à la semaine. Je sais pas pourquoi j'ai mal calculé, je crois, là. Hop, c'est pas grave. Et là, je mets un billet de 20, je ferai de la monnaie si, s'il faut, sinon je regarderai là. Ça, c'est fait. Ça commence bien la vidéo, tiens. Ensuite, du coup, entretien hygiène, il me faut normalement 30 euros. Voilà. Promotion, il me semble, c'est 30 euros aussi. Voilà. Je vous centre ou pas? Oui. Voilà. Santé, du coup, je voulais le baisser. Je voulais le mettre à 10. Du coup, je suis restée à 20. Parce qu'avec les problèmes dentaires, il faut que j'achète du dentifrice spécial et du bain de bouche spécial. Du coup, c'est ou en pharmacie ou en parapharmacie. Du coup, je vais y compter là-dedans. S'il me reste dans entretien hygiène, je prendrai ici. Sinon, je prendrai dans la santé, je préfère. Voilà. Ensuite, les animaux, on a 40. Et normalement, c'est bon. Là, il va me rester peut-être 2 billets de 10. Voilà. Il me reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 3. Là, il me reste 20 euros. Pourquoi? Vous me dites? Qu'est-ce que j'ai sauté? Ça, c'est bon. D'hiver. Pourquoi il me reste 20 euros? Là, il faut 30 euros. Je les ai mis. Est-ce que l'école, j'avais compté finalement? Alors, attendez.
Déjà, là, c'est les 30 euros pour mon défi. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre 20 euros là et je vais mettre 20 euros comme ça. Ça, c'est pour le défi que je vais mettre après. On est d'accord. Et j'ai 10 euros encore. Pourquoi? 20 euros. D'hiver, j'ai mis. Entretien hygiène, j'ai mis. Promo, j'ai mis. Santé, j'ai mis. École, j'ai mis. Animaux, 40 euros, j'ai mis. Beauté, j'avais dit que je mettais encore rien. Eh ben zut, course, d'hiver. Bon, on va laisser de côté. Je vais vérifier correctement. Sinon, ben, je mettrai 10 euros dans école et je remettrai 10 euros en banque. Je regarderai correctement, je préfère. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être j'ai retiré peut-être pour l'école finalement. 30 euros. Ou alors j'ai compté. Ouais, je sais pas. Je vais voir après tout ça. Parce que là j'ai bien rempli. Sauf si je me suis trompée dans l'alimentation. Hey, ça commence le bazar. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 150. C'est peut-être là que je me suis trompée. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Non, bah, je me suis pas trompée. Alors, j'ai retiré plus, je pense. Alors, je verrai et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais je préfère, ou alors je vous mettrai sur la vidéo directement où je me suis trompée. Ça, c'est fait. Du coup, mon défi... Hop, il commence à être lourd celui-ci. On va les mettre tout de suite. Euros pour le mois de mars et au mois d'avril ça sera 40. Alors je vais essayer de faire pareil, si j'arrive à mettre déjà 20 euros ça sera déjà pas mal. 50 euros j'y crois pas trop, mais au moins 20 euros de plus ça sera de moins à retirer, c'est toujours mieux que rien. Hop, ça c'est fait. Bon, et ben normalement j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors c'est une vidéo rapide. Mais ce qui me semble bien... Ah non, je voulais faire ça aussi. Pour voir ce qu'on a besoin de mettre ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, c'est ma fille qui va choisir. Sarah ? Comme elle est là. Alors, oui. Je sais plus c'était qui. Oh, c'est... Bref, je sais plus chez qui j'ai vu. Elle avait demandé de faire un choix entre droite et gauche. Et j'ai donné mon avis. Mais en fait, on m'a dit... Oui, mais t'es une petite coquine parce que tu sais déjà ce qu'il y a. Non. Je ne me rappelle pas du tout les montants qu'il y a dessous. Parce que je les ai faits, si vous vous rappelez, l'année dernière, mais très 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 tôt, exprès pour ne pas savoir ce qu'il y avait en dessous, justement. Alors voilà, je ne sais pas. Premier, tu choisis entre 1 et 2. Je choisis 2. Le choix numéro 2 ? Oui. Allez, et ben on va voir ce qu'on va épargner. Alors, du coup, j'ai pas de pièce. Moi, j'ai une pièce. Non, mais c'est pas grave, attends d'aller chercher ta pièce, elle a pour 3 ans. Je vais essayer de prendre quelque chose qui va gratter peut-être. Non, non, attends, parce que je sais pas si ça va gratter avec ça, ma puce. Hop, alors choix numéro 2. Oui. Oh là là, ça gratte pas. J'ai pas de pièce. Bon, princesse, ça va aller chercher une pièce. Allez, par contre, tu te dépêches. Allez, cours, 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 cours. Non, mais casse-toi. Il est tombé. J'ai pas dit de te casser la figure. Un peu plus, elle se retrouve par terre. Mais promis, hein, je m'en souviens vraiment plus. Non, donne-moi une pièce comme ça, je crois que ça gratte mieux ça. On a 15 euros pour ce mois. Alors ça va, on doit mettre 15 euros. Si j'arrive à les mettre... Tu t'es fait mal? Ouais. Pardon, c'est moi qui me suis dit. Si j'arrive à mettre les 15 euros tout de suite, eh ben, j'essaie de gratter le numéro 2, sinon eh ben, j'attends. Mais je vous promets, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessous. Voilà, pour ça, je ne la ferme même pas, ces enveloppes, ça veut dire... Tiens, je te rends ta petite pièce, ma chérie. Pardon, ben, décidément. Voilà, alors 15 euros pour le mois de mars, c'est top, c'est pas des grosses sommes, c'est génial. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour, moi je vais vérifier pourquoi il y a ce problème. Moi mes deux défis du mois de mars que j'ai pas encore perforé, c'est pas grave, ça sera ces deux là, je vais essayer maximum de les remplir, il faut absolument que je les remplisse. Voilà, pour moi il n'y a pas d'anniversaire, journée de la femme c'est gratuit, voilà pour moi ces deux que je vais faire. Et voilà, et je vous dirai pourquoi j'ai 20 euros. Alors c'est où j'ai compté mon défi dedans, mais non, parce que c'était 30 euros. Ou je ne sais pas ce que j'ai fait.
Sinon, eh ben, je garderai 10 euros, je verrai sur mon compte s'il y a pas, j'ai pas retiré plus. Si j'ai calculé peut-être l'école. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bref, on verra. Je vais laisser de côté. Je préfère faire mes calculs avant de les mettre ailleurs. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi, je vais vous faire de gros gros bisous. Ça a été une vidéo très courte, hein. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore merci. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine, vendredi, pour le bilan de la première semaine. Bye bye.